Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des sans-abri. Attends, comment ça parler des sans-abri? Tu vas nous dire de leur donner de l'argent, c'est ça? Alors non, c'est pas du tout dans cette vidéo qu'on va apprendre comment donner cette fameuse petite pièce aux sans-abri. Parce que oui, donner une petite pièce à un sans-abri, c'est pas compliqué, hein? Et c'est bien ça le problème. Moi, la première difficulté que j'ai quand je rencontre des sans-abri dans la rue, c'est justement d'aller à leur rencontre. Du coup, j'ai cherché un moyen de contrer cette difficulté d'aller à la rencontre des SDF, enfin du moins le fait que moi j'avais peur d'aller les rencontrer, et j'ai trouvé trois applications qui sont dites solidaires. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ces trois applications qui, pour des gens comme moi qui ont peur d'agir tout seul pour les sans-abri mais qui ont envie d'agir, peuvent permettre justement de se rencontrer et d'aller aider ensemble les sans-abri. Les trois applications que je vais vous présenter maintenant ont trois buts différents. La première s'appelle Homeless Plus. Alors comment fonctionne Homeless Plus? Avec Homeless Plus, lorsque vous marchez dans la rue, je marche, je rencontre un SDF, mais je n'ai pas le temps de l'aider ou l'argent, la solution facile, à lui donner, et ben avec l'application, je vais pouvoir le géocaliser avec son accord et permettre aux associations, aux restaurants et aux personnes effectuant les maraudes de pouvoir venir l'aider parce qu'il vous aura indiqué de quoi il a besoin en ce moment. L'application est très simple d'utilisation, très intuitive et a déjà permis d'aider plus de 4000 SDF qui ont été géocalisés grâce à cette application et ont pu être aidés par les diverses associations qui utilisent également cette application. La deuxième application dont je vais vous parler s'appelle Entourage. Entourage, c'est un réseau d'associations et de citoyens engagés qui vont mettre en place des actions solidaires et sociales au profit des SDF ou alors au profit d'un quartier pour le voisinage, pour permettre à tous de pouvoir s'engager dans les actions et venir en aide à chacun selon ses besoins. Mais Entourage, c'est bien plus qu'une simple application, c'est un véritable réseau solidaire qui va former des ambassadeurs pour les activités, mais aussi exercer des ateliers en entreprise ou des formations en association pour permettre à tout un ensemble de citoyens de s'engager pour la cause des sans-abri notamment. La troisième application dont je vais vous parler, il s'agit de Reconnect. Reconnect, c'est pas une application comme les deux autres, puisqu'il s'agit en réalité d'un centre de données sécurisé qui permet aux SDF d'enregistrer leurs papiers d'identité, leurs passeports ou leurs documents importants afin de faciliter leur démarche administrative quand ils vont dans les centres sociaux ou alors dans les organismes publics. Cette application est très intéressante pour les SDF parce qu'elle permet directement d'envoyer leurs documents par mail aux différentes instances qui vont leur permettre de bénéficier d'aide beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais pour ceux qui n'ont pas de papier alors? Eh bien, au-delà de l'envoi des papiers d'identité, l'application sert aussi d'envoi des CV par mail pour les entreprises, enfin pour les SDF vers les entreprises, afin qu'ils puissent avoir une meilleure réinsertion sociale. Alors si vous croisez des sans-abri dans une des villes de cette carte, vous pouvez leur dire dès à présent qu'ils peuvent aller auprès d'un relais Reconnect qui se trouve dans cette ville afin de créer leur compte et pouvoir scanner leurs documents et faciliter leur démarche. Alors bien sûr, ces applications ne font pas tout. Mais pour moi, elles sont d'une aide plus importante que simplement donner une pièce aux sans-abri quand on les croise dans la rue. Si l'aide aux sans-abri, c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre des associations pour participer à des maraudes et directement être dans l'action pour pouvoir répondre aux besoins des plus pauvres directement dans la rue. Comme j'ai dit au début de la vidéo, aller vers l'autre et aider les sans-abri, c'est pas forcément une démarche facile pour tout le monde. Du coup, n'hésitez pas à passer par les applications si vous avez envie de commencer dans ce domaine et puis par la suite rejoindre des maraudes et vous investir plus si vous êtes de plus en plus à l'aise et que ça vous intéresse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu ou si elle vous a pas plu d'ailleurs, n'hésitez pas à la commenter pour que je puisse améliorer mon travail. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !